Je voudrais juste te rappeler que ce n'est pas la première fois que la Fédération camerounaise de football est tentée de voir ses missions mises entre parenthèses. Parce que sous Seydou Mbombou Ndjoya, c'était pratiquement pareil. On voyait des officiels ministériels carrément au chevet de l'équipe en lieu et place de l'Africa Foot. Donc, vraiment. Si vous voulez, accordez-moi, je vous fais juste quelques secondes. Une doléance. Oui. Parce que nous, c'était souvent. Vous comprenez? Je vous prie, invitez-moi à une de vos émissions. J'étais chez la délégation qui a conduit les Lions Indomptables au dernier match en Angola. Je pourrais vous dire des choses ahurissantes que nous avons vécues là-bas. Des bâtons dans les roues que les fonctionnaires du ministère, qu'on a dépêchés expressément dans l'avion. Je vous prends comme ça un morceau choisi. Est-ce que vous savez que Marc Brice, je ne parle pas de l'entraîneur, je parle de l'inspecteur de police, Marc Brice, a détourné les passeports? Et que si je n'avais pas été détourner le passeport, je vous l'ai dit. Vraiment, invitez-moi. On a pas. Je me pose la question. Détourner. Je marche le mot. Si vous voulez être très violent, je dirais voler. Je dis l'inspecteur de police mal brise par l'entraîneur. Il est allé prendre les passeports de toute la délégation à l'aéroport de Lusaka. Il a confisqué les passeports. Lorsque le commissaire du match arrive pour identifier les joueurs... Vous parlez de Luanda, pas de Zaka. Ah oui, on va parler, excusez-moi, de Luanda. Lorsque le commissaire du match arrive, où sont les passeports? Ils ont caché les passeports. Je dis les fonctionnaires du ministère des Sports. Avec à leur tête, l'inspecteur de police. Il est inspecteur de police. Il est entraîneur. Écoutez, vous parlez avec vos mots, moi je parle avec vos mots. Okay, parce qu'un entraîneur de football ne touche pas au passeport des joueurs de la délégation. Il faut être inspecteur de police pour le faire. Et on s'est arrangé à mettre. Okay. Nous allons. Dans le fond, au Cameroun, l'inspecteur de police, il a une mission bien précise. Nous allons espérer. Je peux vous dire que, en moins un, le match ne se joue pas. Parce que lorsque le commissaire du match arrive pour identifier les joueurs, il n'y a pas de passeport. Avec l'aide de mon coordinateur Alouan, il a fallu que je menace de faire intervenir le coordonnateur angolais, moi, de faire intervenir la police angolaise pour qu'on perquisitionne des champs pour retrouver les passeports. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui, vous vous rendez compte de ça? Non, nous allons arrêter. Invitez-moi. Oui, d'accord. Absolument. Nous aurons le temps de débattre. Je vous en prie. De débattre toutes ces choses. Je parle là, mon deux visions. Oui, à Luanda, nous n'étions pas, mais nous savons que vous avez quand même usé pour que le Cameroun puisse bien jouer. Mais bien sûr, nous savons que vous avez. J'ai désamassé énormément de monde. Donc, la réponse, on a pas de l'information. La réponse qui a été organisée à l'aéroport. Permettez qu'on avance. Il a pas mis des annonces de bombes. Il a pas mis des annonces de bombes. Il a fallu que je trouve le passeport. Et j'ai retrouvé ce passeport entre les mains de qui? Entre les mains de l'inspecteur de police plus. Pour ça, permettez, on vous a suffisamment suivi. Hein. Nous allons poursuivre. On espère en tout cas que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ce qui est important, c'est le Cameroun, c'est les Lions Indomptables qui jouent contre la Namibie, même si c'est presque acquis que rien ne sera serein dans l'environnement de cette rencontre. C'est bien dommage pour le Cameroun. Parce que l'on repose souvent aux journalistes, surtout de sport, de ne pas parler du jeu, machin. Quand on a un environnement où c'est le spectacle qui est offert dans le foot, on est obligé de parler de ce qu'on a comme actualité. Jusqu'à ce que le ministre ne vienne faire ces ingérences-là. Nous sommes allés au Qatar, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Les joueurs, lorsqu'ils voyagent, vous avez vu qu'à son pour ça, qu'on ne va pas. Vous n'allez pas tout dire. Vous avez tellement de choses à dire. Voilà, je vous demande. Vous ferez le déballage. D'accord. Parce que je sais où nous sommes.